Alors moi, ce qui me plaît dans le métier de conducteur routier, c'est que je suis tout seul toute la journée. J'ai mon chef que par téléphone. Je vois des paysages, je vois les saisons différentes. On a la chance de rencontrer beaucoup de personnes aussi. Mon père était lui aussi conducteur routier, hein, jusqu'à l'âge de 70 ans, voire plus. Et tout petit, j'allais en camion avec lui. Et c'est là que m'est venue la passion des camions, des voyages, des paysages. Et depuis 2004, je suis conducteur routier. Ça consiste déjà à pouvoir circuler avec des véhicules d'une certaine catégorie. Donc c'est un permis obligatoire pour les permis soit en porteur, soit en semi, comme les autobus. Moi je suis passé par un centre de formation à Arras, c'était un CFP, 128 et 148, pour acquérir le permis CEC, les ADR et l'AFCO. Le métier de conducteur poids lourd consiste à acheminer de la marchandise d'un point A à un point B, en sécurité. Bonjour. Transport 10 euros, je remets la compteur s'il vous plaît. C'est à nous de prendre des responsabilités, d'anticiper, d'être autonome, de savoir anticiper pour une panne, les vérifications au matin avant de décoller, prendre en compte la marchandise, les remorques, les papiers, les documents administratifs. On a de la marchandise qui ne nous appartient pas, donc il faut faire attention aux autres usagers aussi sur la route, aux conditions climatiques, à la conduite du véhicule, à différents types de marchandises pour qu'elle arrive en bon état et en sécurité.